m'appelle Dan d'études. Il faut que je passe mon test de maths. De quoi t'as peur? T'as 90% de moyenne. Ah, rien. Salut, Mimi! Hey! Hey, j'y donnerais 10 sur 10. Attention, ton chum est plus fort que toi. Ma soeur me dit que il avait sacré son camp. Quoi? T'as l'air poqué? Trop fumé de tabac, fin de semaine? Quel jour qu'on est aujourd'hui? On est lundi. Ah, quel jour d'école, tête de graine? Jour 3. Oh shit, c'est une semaine de maths après-midi. Je couche, moi. Comment ça? Vraiment bon. T'as pas étudié? La dernière fois que j'étudiais, j'étais en deuxième année. Y'a rien là, la job. Salut les petits choux. Wow, une 19 à 76 piastres. L'hiver, ça pourrait être ça? Ouais. Ouais, rien de trop beau, hein? Je travaille, moi. Vous êtes bien de la plaisance. Joe. Salut les amis. Salut. N'oublie pas, Dan. Samedi sans fond. Moi, là, je veux mon cash. Tu dois-tu de l'argent? Ouais. Combien? Pas tes affaires. Je pense que c'est pas juste fumer, hein? D'accord. Je suis pas sûr. Salut. Salut. Salut les filles. Salut Sylvie. Allô Mimi. Je pense que ça file pas. Son épais de chum, il a levé les pattes. Oh, le chien, ça, je le savais. C'est pas grave, Mimi, on adore. Oh là là, il cœur pas, veux-tu? Les nerfs. On va t'expliquer ça tantôt. Wow, des jeans neufs à ma tête. Encore des jeans neufs à ma tête, ma Sylvie? Toi, c'était à quel char que t'as vu samedi soir? C'est à moi. Mon œil. Eh non, c'est à mon père. Tu l'as passé? Eh non, pendant son coma, je suis rendu de basier. Ce n'est pas perçu. Pas en tout. Et quel jour qu'on est aujourd'hui? Jour 3! Puis un bel examen de maths après-midi. Ah, ah, bullshit, j'ai 30% en maths. On met ça à côté de Mimi. Qui a Mimi? Ben regarde que c'était de l'air. Serge est pas venu moi en fin de semaine. Il m'a même pas appelé. OK, là. C'est-tu fini en arrière? Il y en a d'autres, Mimi. C'est pas grave. Mais c'est quoi, là, le problème? Je suis en retard une semaine. T'es-tu folle? Je sais plus quoi faire. J'ai capoté. Mais voyons. Pas l'épaisse, là. T'es peut-être qu'il y a un quart d'heure. Les menstruations, c'est pas toujours égal, tu sais. Quand même, 33 % 35 % OK, les deux gars en arrière, là-bas, là. Ça suffit. Ça fait assez longtemps que vous niaisez. Daniel? Prends la porte, va voir Roland. OK. Vous pouvez prendre votre cahier d'exercice aux pages 46-47 puis travailler en équipe. Marqué ici. Le policier, ici. C'est pas vrai, ça. Voyons, Dan. Tu veux, on est ici pour t'aider. On est là pour te donner un support puis te sortir du trou. J'ai pas besoin. Voyons, Dan. Là, là, avec ton comportement que toi, j'ai pas bien le choix. Tu t'en vas en retenue mercredi. Ça va, là?
Puis là, en sortant, tu vas aller voir Francine. Tu vas prendre un rendez-vous avec le policier, il va te voir demain. C'est correct, ça? OK, tu vas retourner à ton bout. Puis, Dan, Roland, t'as pas trop psychanalysé? Hey, une retenue mercredi, une lettre à la bonne femme, par rapport à ça, le manger de bain veut moins. Pour ça, vas-tu bien? T'as-tu l'argent me passer? Pas une scène. Si je dois 400$ pour samedi. 400$, Dan, c'est t'as fait? Ouais. Pour moi, toi, tu te niffes, hein? Sais-tu comment ça coûte, ça, Dan? Ah, ouais. J'ai pas une scène, mais je suis aussi pauvre que toi. Hey, mais là, j'ai une scène, là. Si tu veux. T'as-tu pas m'aider mon examen de maths? Ah, mon œil. Ah, tu fais pas chier, Minus. Pis si on se fait pogner, hein? Le vieux, il est presque aveugle. Ah, je veux rien savoir. Pis moi, Minus, vas-tu m'aider? Va chier avec mon. Voyons, Michel, qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'habitude d'être violent? Pas le tuer. Oh, du calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous voulez que je donne mes réponses de maths, puis moi, là, j'étais allé me fâcher sur la tête, fait que je les ai pas donné. Michel, tu sais qu'une bagarre, c'est une bagarre. On n'a pas le choix. Là, il faut que j'écrive une lettre à ta mère. Puis en plus de ça, je pense que je vais t'envoyer en retenue mercredi. J'ai rien fait, moi. C'est lui qui m'a sauté dessus. Ah, même si t'as sauté dessus, Michel, j'ai pas le choix, là. Normalement, dans le guide des jeunes, c'est bien indiqué. Une bagarre, c'est une retenue, lettre aux parents. Là, tu te présentes à la retenue mercredi. Ça va? Puis là, ta mère va recevoir une lettre cette semaine. C'est correct, ça? Bon, mais là, maintenant, tu retournes en classe. Pis, t'as-tu réglé ton problème d'argent? C'est-tu non? Je pense que j'ai une idée. Quoi? Je connais un gars qui donne du cash pour du stock. Quoi? La marchandise, stock donné. Stock volé? Stock emprunté. On va se faire poigner. Ben non, de toute façon, j'ai tout planifié. Y'a pas de problème, je connais la maison, pis y'a plein de bonnes choses là-dedans. Combien on peut se faire? Ah, une coupe de sang. J'ai jamais fait ça, moi. Inquiète-toi pas, là, ça prend vite. Non, René est absent pour la semaine. Maudite merde! Est-ce quelque chose qui va pas? Non, on reviendra. C'est pas ma semaine. Ben, je peux pas te parler à toi, là. Je suis ton ami.
Hey, c'est-tu dur à ton goût l'examen de maths? Facile, là. Long, mais facile. Hey, après, Malo McGo, tu vas-tu avec moi? T'amèneras ton autre carte, hein? Ah, il est dans le fond de ma carte. Hey, c'est quel cours, là, après? Visio. Ah, fuck. Je pense toujours dit qu'on est plus chien l'œil. On dit disséquer l'œil. Ouais. Mais non, c'est pas si peu que ça. Je pense que j'ai encore plus mal au cœur qu'à la tête. T'es chez vous, ce soir? C'est sûr que je suis. Ben, je vais aller te voir après le souper. Mais là, faut que je fasse la vaisselle parce que ma niaiseuse de soeur, elle fait jamais la vaisselle. Ok, la fin de la Comment ça va? D'après toi. Hein? Ça, j'ai pensé à ça. Puis le meilleur moyen, là, c'est vrai aller passer un test de grossesse à la pharmacie. T'es folle, le pharmacien, c'est le meilleur chum de mon père. Oh, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? À moins qu'on demanderait à Fred d'y aller pour nous autres. Penses-tu qu'il voudrait? Ben oui, il ferait bien ça. Appelle-le tout de suite. Ouais, Fred, c'est Sylvie. J'ai un gros service à te demander. Ouais, c'est quoi? Pourrais-tu aller porter de l'urine en pharmacie pour un test de grossesse? Ah, t'es enceinte? Quelle heure? C'est pas pour moi. Franchement, j'ai pas envie de passer pour un esti de con. Je suis bien trop gêné. Ben, c'est ça, vous autres, les maudits gars, vous êtes jamais capables de rendre service. En tout cas, bye. Puis, qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, laisse faire, faut qu'on trouve d'autres choses. Faudrait aller où si elle laisse ça, mais quand, puis comment? Demain, on a de l'éducation, puis Miro, il prend jamais présence. On a juste ce qu'il peut, puis on y ira. Non, mais comment? Tu te pousses, peut-être? Ben oui, on partira 11h20. J'ai pas du résultat. Qu'est-ce que je vais faire si je suis enceinte pour vrai? Ben voyons donc, t'es peut-être juste en retard. Puis de toute façon, ben tu vas le savoir pour vrai demain. Oh, dis que j'ai de l'air folle le matin. Je suis devant en retard, j'ai même pas eu le temps de me maquiller. On a mal au cœur. Hey, là, ça fait deux jours que tu m'achètes avec ça, là. OK? Pour moi, t'es enceinte. Ah, oh, t'en m'en pas. Là, j'y pense. Là, j'ai mal au cœur. Pourquoi tu veux pas passer un test de grossesse, là? Va à la pharmacie, ça prend 5 minutes. T'es-tu folle? Toi, la pharmacie, c'est le meilleur job de mon père. Ben, il va au CLSC. Ouais, je sais. J'en ai parlé avec Sylvie hier. Ouais. Puis, tu vas-tu y aller? J'ai pas bien le choix. Je vais aller voir Camille là-bas. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Elle va savoir quoi faire. Elle connaît? Ouais. Ben, c'est elle qui m'a référé à ma travailleuse sociale quand mon père m'a sauté dessus.
Comment ça va virer, ça va là? Je sais pas. Mais je veux plus le voir. Je suis plus capable de le voir. Bon, c'est là que je vous trouve. Ah, Sylvie, t'as-tu fait ton devoir en anglais? Ouais. Il me reste 10 minutes. J'ai le temps de le copier. Passe-moi le. C'est 5 piastres. Oh! Hey, Minus, y'a-tu quelqu'un qui t'est tombé dans l'œil? Ta gueule. Ah, relax. Puis, comment ça va, matin? Ben, le Roland, il est appelé chez nous. Ma mère, elle arrête pas de broyer. Puis, ben, papa, il a saqué son cœur chez nous. Hein? Papa est parti? Ben oui, il est parti avec la secrétaire. Ah, ça, c'est pas drôle, mon homme. Hey, Dan. Dan. Tu penses à mon affaire? On parle de ça par là. Est-ce que je t'allais voir? Est-ce que ça va être bon? Ta gueule, tout le monde, c'est quoi? Puis, qu'est-ce que vous avez décidé? On va aller au CLSA pour midi. Oui, mais vous allez manquer votre cours de duc, hein? C'est pas grave, Miro, il prend jamais présence. C'est comment vous allez monter? Sur le pouce. Vous allez vous faire pogner. Si on se fait pogner, on va pouvoir dire que c'est de la faute d'un gars, hein, Frédéric Beauchamp? Ah, Daniel! Ça va bien? T'as passé une bonne semaine? Ouais. Quand on s'est vu la semaine passée, on a parlé de tes petits problèmes de drogue. Je prends pas de drogue. Tu connais-tu Louis Lavert? Moi. Ouais. C'était ton meilleur chum l'année passée. Il est au centre de désintoxication. Il nous a tout dit. On sait que t'en prends de la drogue et des drogues dures pour ça. Je prends rien de ça, moi. Je suis pas ici pour t'amener en prison, Daniel. Je suis ici pour t'aider. Pas besoin d'aide. Tu connais Pierre Gagnon? Ouais, il est dans ma classe. On le sait que c'est lui qui t'alimente. Combien d'argent que tu lui dois? Pas une scène. Daniel, si tu nous aides pas, tu t'aides pas. Tout ça, là, ça va finir mal. Comment tu fais pour payer ta coke, Daniel? J'en paye pas, j'en prends pas. OK. Puis regarder tes notes scolaires, c'est pas extra. Je comprends rien cette année. L'année passée, t'avais 75% de moyenne. Cette année, t'as juste 40%. Qu'est-ce qui se passe? Ah, rien. Je suis écœuré de l'école. Plus rien savoir. Veux-tu que je te le dise? Qu'est-ce qui se passe, Daniel? L'année passée, t'as commencé à fumer quelques joints avec tes chums. Puis aujourd'hui, là, tu snives la poudre. Ça va être quoi l'année prochaine si tu continues? Ça va être les seringues avec tout ce qui va avec? Pour payer d'ado, tu vas voler, prostituer ou bien pire encore? T'exagères, là. Et même si j'ai fumé un petit joint, je ne serai jamais personne. La coke, oui, par exemple. Je peux-tu partir? Oui, Daniel, on se revoit lundi prochain. C'est obligatoire. Oui, je te lâche pas, Daniel. T'as encore temps pour toi de réagir. Ouais, c'est ça. Cause, si tu veux. Ah, fais pas les pailles, ça, je te laisserai pas tomber. Vu qu'on se fasse pas spotter par un maniaque. S'il viole, tu vas pouvoir dire que c'est déjà fait et que t'es déjà enceinte. Serge m'a pas violée. Maudit que t'es niaiseuse! Il te fait un petit, il te crisse là, pis t'appelles pas ça un viol. Vous allez où comme ça, les filles? Aussi à l'estime, à cet endroit. Embarquez, je passe devant.
Vous avez pas peur, les deux, tout seuls? Non, on est des deux. Vous avez pas d'école l'après-midi? Ouais, mais on a rendez-vous, c'est laissé. Mon nom, c'est Jacques Lemieux. Vous m'avez peut-être vu à l'école. Je travaille pour la Sûreté du Québec. Enquête sur les cas référés par la DPJ. Que je le connaissais. C'est lui qui rencontre Dan. Là, on va analyser la situation. C'est qui le père? Un gros et père. Sylvie. Mireille, c'est qui le père? Serge. Est-ce qu'il est au courant? Tes parents sont au courant? Juste nous deux puis Fred qui est ici. C'est qui ça, Fred? C'est un gros et père qui comprend rien aux femmes. Sylvie. C'est un de mes amis. Je pense là que, avant de prendre une décision finale, là, dis-toi que tu as trois alternatives devant toi, OK? Tu sais que tu peux faire, tu peux mettre fin à ta grossesse, OK? Tu peux accoucher, puis donner ton bébé en adoption, ou bien tu le gardes. Si tu me vois un jour frotter mes souvenirs, parce que je verrai plus briller mon avenir. Si je fais plus le monde à chaque fois que je bois, plus de morale d'acier dans mes gueules de bois. Tue-moi quand tu commenceras à compter les jours qui séparent le froid où je te fais l'amour. Si tu me surprends à fermer les fenêtres, parce que le bruit des enfants me monte à la tête. Tue-moi. Je sais pas. Maudit, des capotes, ça l'existe. Tu sais, j'utilisais ça, toi. Non, mais ils ont tous montré ça au cours d'FPS. Toi, t'es bonne en théorie, mais en pratique, t'es nul. Si un jour j'ai honte de mes anciens copains, si je serre les fesses plus fort que les poings, si je deviens nouveau con, ancien battant, si je me révolte plus qu'entre deux calmants, tue-moi. Si tu vois un jour que je m'économise. Oh, bonjour les filles. Soit à soi, Adam. Je couche puis je dors. Hey, j'ai le char du pain, on pourrait le voir, ça a l'air, cabane. Ah, tu peux pas trouver autre chose, on va se faire pogner. Ah, pis ça, hey, on pourrait se faire 700 à 800 piastres avec ça, même. Hey, où la cabane? À Chenéville, là, pas loin du lac Simon. Pour sortir du truc, faudrait au moins être trois, ça irait plus vite. Pas bête, ça, man, on pourrait se faire plus d'argent. Demander à Fred. Hey, c'est vrai, il est correct, ce gars-là. On va aller chez eux en char à soir, on va lui demander. Plus long, toi, t'as-tu été parmi? Non. Avec toi, on va se faire poigner, toi, pis tes patentes de cul. Si tu me vois un jour frotter mes souvenirs, parce que je vais plus. Pis les filles, ça a bien été? Ça, c'est pas de tes affaires. Wow, c'est tes shorts. Ben oui, ça a bien été. Pis.
moi donc. Mais je peux pas, le prof m'a donné 2 minutes, pas plus. Tiens, en passant, Miro, il a pris présence. Quand ça va mal, pis arrête donc, broyeuse! J'ai mal au cœur. Viens-t'en, on va aller les fermer aussi. Fermez les fenêtres, parce que le bruit des enfants me monte à la tête. Tue-moi. Oh man, c'était pogné ça, la belle mécanique. Mon géniteur. C'est quoi ça, un géniteur? Mon père, tête de graine. Il te l'a prêté. Incite, l'embarque, faut te parler. Ah, j'ai pas le temps, man. Il faut que je finisse la pelouse. Embarque, on veut te parler. Et c'est quoi, la joke? On a besoin de tes services. Ah, on a besoin de tes services demain soir. Quelle heure? Minuit. Minuit? T'es-tu fou? T'es niaise, il y a de l'argent à faire. Ouais, ben de l'argent. C'est quoi l'affaire, là? On a besoin de main d'œuvre pour prendre du stock. Stock volé. Emprunté. Emprunté, Fred. Hey, vous êtes cons, les gars. Vous êtes tombés sur la tête. Let's go, man, là. Hey, je peux pas faire ça, les gars. Je suis pas capable. Pis si je me fais pogner, là. Pis à part de ça, là, plus tard, je vais rentrer dans la technique policière. Pis si je me fais pogner, je pourrais jamais rentrer là-dedans. Tu veux pas venir à un instrument bang? J'ai bien le droit. Ben, tu viens-tu ou tu viens pas? Hey, Dan, on a rien à faire. C'est ton sang, là. Hey, Dan, ça va être la DPJ. T'as déjà la police, là, qui court après. Hey, fatigue-moi pas avec ça, là. Si tu veux pas venir, viens pas, mais pas aimant personne, OK? Dan capote. Faut qu'il vole du stock pour payer sa maudite drogue. Ça a du bon été, hein? C'est en deux emplois. C'est positif. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me bourrer de pelules et en finir dans une bonne fois pour tout. T'es malade de penser de même! Dérangez-vous pas. J'ai pas grand choix, tout le monde le sait sauf ma famille. Ton père, il est comme le mien, là. Il fera pas grand-chose. Justement, c'est pas pareil. Je suis bien mieux morte. Salut, les filles. Puis Mimi, t'as-tu décidé quelque chose? Elle a décidé de se tuer. Ben voyons, Mimi, parle pas de moi. Le cœur va m'arrêter. Si, mon acte, vous avez des fesses de bain matin, vous autres? Oh, écrase-toi, Minus, là. Choque-toi pas, là. Y'a-tu quelque chose qui va pas? Tu serais une femme puis que tu serais enceinte, qu'est-ce que tu ferais? C'est qui est enceinte? C'est-tu Mimi par hasard? Ben non, Minus, ben non, c'est sa mère! Pis Dan, c'est-tu correct pour asseoir? Ouais, correct, tu viens me chercher. 10h30. C'est pas correct, on va se faire poigner. Je pensais qu'il y avait juste Fred de Pissou. T'as-tu besoin d'argent, oui ou non? Ah, 400 à pièce. Si je le paye pas, il va me poigner. En parlant du gros sale, là, là. J'espère que tu m'oublies pas, mon Dan. Dimanche, faut que je paye mon boss, moi. Ouais, pis si je paye pas? J'espère que tu cours vite, mon petit cul. Tu laisses-moi dire, si c'est pas moi, ça va être un autre. Et si t'es correct, samedi, j'en ai reçu de la bonne. Je te ferai un bon prix là-dessus. Ouais, ouais. Pis, es-tu bonne humeur, sale? Je le paye pas samedi, tu sais, le chien. Cette petite cloche, elle va sonner. Move! Hey, qu'est-ce que tu fais là? À Pierrot, là, il viendra même pas. C'est pas une grosse perte pour l'humanité. Hey, lui, là, si mes cœurs le tirent. C'est bien agressif aujourd'hui, t'as pas l'habitude d'être de même. Ah, je t'écœurerai, ben.
Hey, le monde me dégoûte. Retenu, Cécile Dars. On travaille jusqu'à 12h15. Tu veux Mimi aujourd'hui? Ouais, mais elle est repartie chez eux. Mal de cœur? Ouais, si tu vas. Ouais, il n'y a pas avec Mimi qui fait le pas, hein? Comment ça? Ben, Dan, tu veux embarquer une cochonnerie. Quoi ça? Oh, je pense qu'il doit de l'argent. Il signe de la coke, ça coûte tout un bras. Il doit acheter ça de Pierrot, c'est lui le pocheur. Ça, je fasse de la crêpe, celui-là. Combien qu'il doit? Oh, je sais pas trop. 300-400 piastres. 400 piastres, pour vrai? Ça coûte cher, dirais-je. Tu t'y arrives. Là, il arrive. La cafe, fais-tu par moi? Ah, mes ennemis, elle ferme, mais à ce temps-là, il n'y a plus rien. Tu veux-tu en prendre? Ouais, merci, t'es bien fait. Ah, ben attends, là, je vais l'essuyer. Tu sais, croque la danse à la place, dans le carré. Va donc, Isabelle, toi, tu cherches. Ah, parle-moi donc pas d'elle. Rien qu'à penser que je m'en vais chez nous, là. Ah, ça m'écœure. Ta mère, elle a-t-elle arrêté de pleurer? Pas vraiment, un vrai délirium tremens. Un quoi? Ah, elle capote, man. Ça continue, moi tout, je m'en capoté. Comment ça? Ben, tu sais, elle disait que t'es trop correct. Puis là, ben là, hier, ben, j'avais tous les défauts du monde. Puis encore, elle dit que si je serais pas né, là, mon père sera encore chez nous. Ouais, pour te changer les idées, là, tu viendras chez nous à soir. Ouais. Ben viens, attends, mais je suis acheté un nouveau jeu de Genesis. C'est le fun au bout, mon homme. Ouais. Ouais, ça fait changement du Nintendo, hein. Ah ouais. Au chum de ma mère. Tu l'as prêté? Bof, non, ben, il m'a même pas vu le prendre. T'es malade, toi? Ben non, ah ouais, là, on y va. Tu m'avais pas dit qu'il y avait des chiens, ça. Ça va pas, moi, c'est-tu. Tu parles d'une crosse de porte, toi, ça, je l'aime pas, c'est-tu. C'est pas rien, ça. Cherche, t'as pas amené de crowbar. Ben non, j'ai pas amené de crowbar, c'est-tu. Bon, c'est là-dedans, toi, à la porte. Quoi? Ben, je sais pas, il portait quoi, moi, ton point? Si, on va se faire pogner, man. Yo, tabarnak, je me suis fait mal! Ça saigne, man! Ça saigne, c'est pas grave, là. Man, je saigne, man.
bord de la cave, asti. À la pièce! Asti, je pense que le corps ça rentre, ça fait mal dans la crise. Ah ouais, on sac notre cantite, là. Non, on va essayer de pogner quelque chose. On a même pas de flashlight, là. Hey, non, c'est pas grave, aide-moi, mais t'es... T'avais tout plané, hein, grosse tête? Ah ouais, on va essayer de pogner une débris au vert, là. As-tu pensé à ton affaire concernant ton père? Ouais, j'y ai pensé. Puis? Je porterai pas plainte. J'irai pas témoigner. Es-tu sûr que c'est la bonne décision? Je pense bien. Tu sais, la DPJ est déjà au courant de l'affaire. Je l'ai signalé, je suis obligée. Je sais, mais j'irai pas témoigner. Pourquoi? Quand je suis venue te voir, là, c'était pas pour avoir un procès. C'était pour de l'aide. Ça fait 5 ans de ça. Louise, l'inceste, c'est grave. Il faut faire quelque chose. Quoi tu veux faire? Me rendre ma virginité? Mais voyons, Louise. Faut éviter que ça se reproduise, tout ça. Il faut intenter une poursuite. Oh, je veux pas. Ça fait longtemps. C'est mort, cette affaire-là. Puis on réveille pas les morts. As-tu vu ton père depuis 5 ans? Ouais. Une fois. Puis ma mère, elle m'a dit qu'il voulait me revoir. Tu veux le revoir? Je pense pas être capable de le revoir. Ta mère m'a dit que ton père t'avait écrit. Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a écrit? C'est un secret. Je veux pas en parler. L'aimes-tu encore, ton père? Je sais pas. C'est bizarre en dedans. De l'amour pis de la haine? Ouais, c'est ça. Il y a un psychologue qui vient au CLSC. Veux-tu le rencontrer? Ça va changer quoi? Il faut que tu te fasses aider. C'est un spécialiste, car si tu restes avec ton problème, c'est pas long que tu vas devenir tout croche. Ouais, oui, pensez. Je te vois la semaine prochaine. OK. À bientôt. Vous faites votre choix pour l'an prochain? Ouais, mais laisse-moi dire qu'avec le score que j'ai en maths, mon choix est pas mal limité. Tu te dis pas? Je comprends rien. Ah, moi j'ai pris bio pour l'année prochaine. Alors, moi j'ai gardé musique. Ouais, moi j'ai pris l'axio, je savais pas trop quoi prendre. Mais il fallait que je prenne enseignement religieux encore. Ma mère, elle voulait même pas que je prenne morale. J'ai tout le temps pensé que t'avais une petite face de crise. Ouais, mais moi je sauve mon âme au moins. Sauver mon âme! Hey, avez-vous vu la face de Loulou quand elle est sortie sur la veilleuse sociale? C'est pas drôle, c'est toi qui aurais été violée par ton père, là. T'aurais peut-être la même chose que ça. Mon père, moi, il
m'a jamais touché. Moi non plus. Ma mère, je me rappelle une fois, elle m'avait donné une autre petite fessée. Moi aussi, je me souviens une fois, j'avais volé 50 pièces dans son portefeuille pour m'acheter des cartes de la Belle et la Bête, puis je les ai encore. Parlant de la Bête, Pierrot vient d'arriver. Par rapport à ça, il est pas en dehors, là. Je pense qu'il est hydrocéphale. Hydro quoi? Une tête d'eau, Fred. Hey, Dan, il est pas écorché aujourd'hui? C'est rare qu'il meurt. Au moins, ils se sont fait poigner, ces deux cons-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dites-le pas à personne, mais hier, ils voulaient vider une maison. C'est une drogue. Ouais, Dan est pogné là-dedans jusqu'au cou, hein. Puis je pense qu'il veut de l'argent à l'hydrocéphale de Pierrot. Il est intoxiqué bien raide. Il est même plus capable de s'en sortir. Ça doit être le clapet à pâte qui l'a monté là-dedans. Ça, c'est une tarte. Il est même pas capable de tricher sans se faire prendre. Oh, ben moi, j'ai une game de basket à midi. Moi, y aller. Pas une mauvaise idée, ça. Moi, y aller avec toi. C'est ça. Laissez-moi tout seul, comme une dinde. Maudit homme. De l'heure pour arriver? Salut, je te vois demain. OK, bye. Il n'y aura rien à faire chez moi. Tu parles à ta mère? Non, j'ai pas le courage. Tu décidé quelque chose? J'ai appelé Serge hier. Et? Il dit que je suis juste en retard et que ces tests-là, c'était toujours fiable. Oh, petite niaiseuse, irrite-toi. Tu sais bien que c'est fiable, ces tests-là. Voyons, Mimi, mets les pieds sur terre. Te planter pour te planter là après. Mais à part l'infirmière, t'en as-tu parlé à quelqu'un d'autre? Viens, Mimi, on va aller voir la travailleuse sociale. Elle a peut-être une idée. Pour vous aider. Ah oui, Mimi. Ah, oh, elle est enceinte, là. Ah, c'est correct, oui. Va à ton cours, je vais m'en occuper. Avec la travailleuse sociale. Ah, oh, elle t'école? Moi, ouais, t'es arrivée avant le cours. Elle a-tu parlé à sa mère? Non. Mais elle a préféré parler à la grosse poche à Serge. Elle est épaisse! Ah, oh, parle-moi-en pas. C'est pas ce gros tas-là là, qui va régler ses problèmes. Prenez votre cahier d'exercice à page gang. Puis ça va s'arranger. On va bien que t'es juste un gars pis tu comprends rien aux filles. T'as bien raison. Je comprends jamais rien. C'est pas ça qu'elle voulait dire. Pleure pas, Mimi. Je veux mourir. Dis ça, Mimi, là. On meurt pas de même. Il y a sûrement une solution. Il y en a pas beaucoup de solutions. La famille, l'adoption, l'avortement, bien en suicide. Qu'en veux-tu d'autre? Je sais pas, moi. Ta mère a dit quoi là-dedans? Elle sait pas. Mon père? Il sait pas non plus. Le suicide, là, c'est pas une solution. Quand on est mort, là, on n'a plus de problème.
peut-être raison. Quand personne nous aime. Bon, moi j'y vais. Bon ce matin. T'as-tu aimé ça passer une journée à prison? Ça plaît un peu. En plus, on mange mal. Au poste, j'ai rencontré Jacques Lemieux. Il m'a dit pas mal d'affaires sur toi. T'as rencontré le manger de bain? Sois poli, Dan. Ce gars-là, là, il travaille fort pour t'aider. Puis moi aussi, ici, je travaille fort. Je travaille jour et nuit pour mettre du pain sur la table, ici. Toi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu te payes ta maudite drogue avec mon argent. Ça gère pas, mais... C'est qui le gars qui est avec toi? C'est Pat. Tu tiens que des voyous, des nuls? T'as raison, mais c'est un nul. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu travailles pas? Oui, je travaillais. Mais j'ai eu un appel de Sylvie Séguin. T'as-tu dit quelque chose? Elle m'a parlé pas mal. Elle devait parler juste à maman. Oui, je le sais. Mais j'ai pas laissé le choix. Je calme pas, père, c'est pas de ma faute. Claire, ça fait du bien. La dire que c'est pas de ta faute. On est tous un peu responsables, Mireille. Les moyens contraceptifs, là. Ils te l'ont montré à l'école. Je calme pas, père. Maudit bâtard. À quoi t'as pensé? Avoir su ton gros nounours de Serge, je l'aurais mis de voir ça longtemps. T'es tranquille. Mireille, Serge a tiré sa botte puis est parti. Il savait ce qu'il voulait. Tu l'aimes-tu encore, ton Serge? C'est pas. Mireille, t'es bien trop jeune pour être maman.
Puis moi, trop jeune pour être grand-père. T'as pas de l'allure? Père, je vais mourir. Je sais pas quoi faire. Ta mère va arriver à 5 heures pour m'en parler. Parle pas de même. On t'a pas mis au monde. T'as peur de 16 ans, Mireille. Parle pas comme ça. Non, je voulais l'appeler hier, mais j'ai changé d'idée. Mais j'ai eu peur d'après le souper, il est en béquille. Hein, putain, en parlant de béquille, regarde qu'est-ce qui rentre. C'est arrivé, quoi. Tombé dans l'escalier chez nous. Ta jambe est-tu cassée? Ah non, une petite foule là. Tu es vidane? Pas de mal dire. Hey, avez-vous vidane? Non. Il y a la main toute pleine de bandages. Il est où? Il est dehors avec Minus. Qu'est-ce qui est arrivé hier? Rien. Ouais, fais pas le naissant, vous êtes fait poigner. Si tu parles moi en pas, je suis un bon pour l'école de réforme. Qu'est-ce qui est arrivé? Disons qu'on n'a pas été vraiment chanceux. Vous êtes cons, les gars, je vous l'avais dit. Puis c'est à cause un peu du tard là-dedans. Il se coupe la main un peu, puis c'est comme si on y avait coupé la main au complet. Ouais, lui qui a peur du sang. Quand on s'est piqué au cours de bio, il a fait la planche tout le cours. Ah, ça va s'arranger, cette affaire-là. T'es optimiste? Hey, les filles dehors sont en train d'y faire une greffe cardiaque. Sylvie va becquer Bobo. Hey, puis le temps qu'elle court après, c'est une vraie sangsue. Pauvre Dan, ça doit faire mal. Ouais, ça relance un peu. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis tombé sur une vitre. Ah, c'est ça que Fred me dit. Il a ouvert sa grand gueule, lui? Ben non, il a pas rien dit. Ouais, j'imagine, ouais, maudite grand gueule. Il m'a juste dit que tu t'es embarqué dans quelque chose de pas correct. T'as raison, c'est moi qui est pas correct. Y'a rien qui marche. Ben voyons, y a des jours où ça va bien. Ça paraît que c'est pas grand-chose, tout. Ben je vais te dire que j'en sais bien plus que tu parles. Je sais que tu dois de l'argent, Pierrot. Comment tu sais ça? Je sais, c'est tout. Je dois pas grand-chose. Ben voyons, tu dois y en devoir assez pour avoir essayé de vider une maison. Ça graille, t'as dit ça? Laisse faire Fred, il est correct. Au moins, il a cette tête-là. Combien de ses doigts, cette face de crêpe-là? Pas mal trop pour mes moyens. Réveille innocent, ton gros mongol, c'est servi de toi! Puis dans le coup, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Pas grand-chose, c'est surtout ma mère qui le prend mal. Elle veut que j'aille rester avec mon père. Tu le tu lui, au moins? Ouais, une fois par année, quand il sort de la Bay Chain. Ben, ça me tente-tu, moi, d'aller rester là? Puis toi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont donné la liste de réflexion, mais au moins pour une page. Une page? Oui, une page. La seule chose qu'ils n'ont pas perdu, c'est mon permis de conduire. Ils n'avaient pas. Mais toi, t'es nul. T'avais tout plané. C'est-tu que t'es nul? Ah, faites une couple d'erreurs, mais la prochaine fois, ça va être au point. Ah, mon œil, la prochaine fois, tu iras avec Pierrot. Au moins, il va être sûr qu'il va se faire pogner. Ah, puis parle-moi plus de ça, si tu vas te faire manger mon bandage. Y'a pas de pas. Je vais essayer de t'aider. C'est toi qui as besoin d'argent. S'il vient de casser deux jambes, il n'y a pas broyé ici. T'as raison. C'est moi qui est dans le trou. Mais n'empêche que t'es nul pareil, oublié que t'es dans le char. Ça va marcher, mercredi soir?
La grand gueule, tout ça? C'est qui ça? Fred. T'inquiète pas. J'ai d'autres sources d'informations. T'oublies pas de me payer demain? Eh oui, m'a te payé, là. Pécœur m'a pas avec ça. Mais c'est pas avec la pop, Dan. Il faut mon bacon pour demain. Sinon, ça va aller mal. Pour toi et pour moi. Tu t'es payé du fun avec ma farine? Mais à cette heure, c'est le temps de payer le loyer. Tu comprends ça? Eh oui, m'a te la donné, ta maudite argent, là. Qu'est-ce qu'on fait samedi? Oh, je sais pas, ça me tentait d'aller à l'AF, mais en fait, semaine passée, il y a eu une descente. Fait que là, ils vont être bien sévères à pas. Mais pourquoi on va pas à discuter de l'école? Non, c'est plate, c'est juste des petits culs qu'il y a là. En tout cas, moi, je reste pas chez nous samedi. Mon père, il vient moi, pis je veux pas le voir. Ben, tu viendras me rejoindre au dépanneur, je travaille jusqu'à 5 heures, pis après ça, ben, on décidera qu'est-ce qu'on va faire. Pis toi, Fred, qu'est-ce que tu fais samedi? Ben, moi, je pensais aller à Disco à Buckingham. Il y a des belles filles, là. Il y a des beaux gars et tout. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, ça. Ah, mais le problème, c'est le transport, hein. En tout cas, moi, je monte pas sur le pouce. J'ai eu ma leçon la dernière fois que j'en ai fait. Ben, je sais qui va me donner un lift. Qui? Ben, Charlot. C'est qui ça? Ben, Charlot, c'est le cousin Minus. Sa blonde travaille là, du coup, à Buckingham, puis il y a une vanne. Fait que je pense qu'il y a pas de problème. Ben, je m'arrange avec ça, puis je m'en vais vous chercher à 8 heures. T'es fin, Fred. Va te donner un gros bec à ta fête. Ben, j'ai-tu le droit à de l'endroit où? Maudit cochon! Ah, c'est une farce! Ça se voit pas, pis je suis dans la marge jusqu'au cou. Pourquoi t'as ouvert ta grand gueule? J'ai rien dit! Non, je trouve que Sylvain, ça va pas mal long, moi. Regarde-toi, Dan. T'as l'air d'un mort, t'es blême comme un drap, t'es pas parlant, pis ça fait 2 semaines que t'as la même paire de jeans sur le dos. Veux-tu dire que je pue? Non, Dan, mais t'es en train de perdre la carte. Tu prends-tu pour ma mère, toi? Hey, pense-y, Dan. La prochaine fois, il faudra que tu te prostitues pour te payer ta drogue. Tu es malade, toi? Hey, regarde-toi dans le miroir pour checker c'est qui entre les deux qui est plus malade. T'as la police dans le dos, pis t'as aussi le grand Pierrot dans le dos. Pis ça, c'est la pègre. Pense-y. Si tu veux que je fasse. En tout cas, samedi, tu vas venir avec nous autres à Buckingham, à Disco. Le Disco cucu. C'est peut-être cucu, mais on a du fun, pareil. Pis y a du beau monde. Rentre-toi chez Sylvie à 8 heures. Ouais, je vais y penser. En tout cas, tu feras pas mal de plaisir à Sylvie. Ouais, chaud. Hey, ça fait 1 an qu'elle catine. Elle est bien fine, mais c'est tout. Denise, puis viens donc. Hey, Midus, Minus! Hey, t'as-tu fait ton devoir de français? Oui, pourquoi? Ben, passe-moi les dents. Hey, je te dis des fois, moi, on dirait que je suis une bonne pour faire ça, c'est-tu. Tu viens te chercher? Mon père. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? On s'en va à la clinique à Gatineau l'après-midi. Tu vas te faire avorter, hein? J'ai rien décidé encore. C'est juste ton père qui va? Non, ma mère aussi. Maudit que c'est plat. Tu vas te faire la vie là. Bye. Tu m'appelleras ce soir pour me donner des nouvelles. Ok, bye. Que j'ai échappé une coupe de
Allô, Sylvie, c'est Loulou. T'as-tu eu des nouvelles de Mimi? Ben, quand je passais devant chez eux tantôt, il n'y avait pas de lumière. Est-ce qu'elle s'est fait avorter, hein? Ben, remarque qu'elle avait pas bien le choix, hein? C'est vrai qu'à 16 ans, torcher un petit, hein, c'est pas vraiment l'âge. Ben, qu'est-ce que t'aurais fait à sa place, toi? Ben, je ferais comme elle, toi? Ben, franchement, je le sais pas, parce que moi, mes parents, ils sont contre l'avortement, ça, c'est sûr. Ouais, mais son gros Serge, là, lui, j'ai coupé les bijoux de famille. T'as raison, la castration, ça n'en camerait une coupe. Non, mais ça va être sa caille, pas capable d'utiliser la capote, là. Ça mérite rien que la prison. Ouais, mais j'ai un service à te demander. Je peux aller coucher chez vous samedi? Ton père va être là? S'il a jamais pardonné, hein? Pardonner, oui. Oublier, jamais. Ben moi, en tout cas, mon père, il est correct pour ça. Il est chialeux, mais il est correct. Ouais, c'est vrai, ça. Quand ça passe 40 ans, là, c'est la seule chose qu'il sait faire. Je sais pas si c'est les hormones qui font ça. Ben, gars, le chiant, là. Oui, ben, téléphone, avec toi. Ouais, ouais, là! Bon, ben là, je vais te laisser parce qu'il y a besoin du téléphone. OK, bye. Ça soit les enfants, le chauffeur, la vanne, puis le bon système de son pour de ça. Oh, les nerfs, Fred! La vanne, c'est à maman! Dan, tu t'endors, tu sens du parfum? Non, d'être touché. Hey, t'as même pas un poisson de fantôme. Il est toujours bien plus que toi. Non, on va faire appeler à Torieux. J'espère qu'il va régler ses problèmes. Ah, ça va s'arranger. C'est pas facile à vivre, ces choses-là. Je l'ai appris, puis j'ai laissé un message sur le mot. J'ai écouté. Regarde qui nous dépasse. C'est Pat. Le char d'un des nombreux chums de sa mère. Ça n'a pas changé, les filles sont toujours aussi belles. On est belles, donc c'est tout. C'est discutable, ça. Ah ouais, Dan, viens dans ça. Ah, oh, ça me tente pas. Ah ouais, ça me fait plaisir. Ouais, oh, hein, qu'une. Deux, juste deux. Thierry, Vénus, tu pognes pas? Ah, les filles sont trop stock, là. Tu es Isabelle? Non, oui, mais j'ai pas parlé. Ben, on va la voir. Peut-être ça va marcher. Ah, c'est bien. Ben, au pire, aller, elle va te dire non. Putain, en passant, je te présente Nancy. Ben, fais pas cette fête de Buddha. Essaye toi. Bon, attends, toi, là. Ça, salut! Salut Isabelle. Salut Mius. Ça va bien? Ça allait bien. Ça te tente de danser? Tantôt, je suis fatiguée. Ça te tente d'avoir quelque chose? Je sais pas, un chip ou une carte? Garde ton argent, j'ai pas besoin de rien. Tu viens-tu souvent ici? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Bah,
Mais juste parler. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ben, des choses. Comme quoi? Tu veux plus une enlève? Non. Fais-moi quelque chose de plus intéressant. Ouais. Ben, mes parents se sont séparés sur deux semaines. Ouais, pis les miens, ça fait 5 ans. Moi, je trouve ça dur. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ah, bon. Ben, tu peux me faire. Minus, Isabelle, vous dansez! J'arrive! Ah, allez tantôt, là. Ça me dit que le sexe supposé en soi, mon Minus? Hey, je suis laid, moi. J'aurais vu des mongols plus que toi. Non, mais c'est un sans niaise, là. Pain net, pour après, ça ne va pas vite. Ouais, ouais, mais là, à cette vitesse-là, tu vas me vider ma caisse de bière. On va te la payer, là. Ouais, c'est correct, mais fais attention, tu sais. C'est comme, comme la dynamite, ça va te sauter dans la face. Là. Hey, Minus! Tu du dame? Ouais, il est en dedans. Merci, mon petit Minus. Tiens, ton œil a guéri. Dis donc patience, toi. Hey, toi, va me chez Dan. Je pense pas qu'elle aura pour te payer. Tu vas me chercher ou c'est nous autres? Ah, vite, Minus. Non, non. Minus, reste ici. On va faire un petit peu de jasette. Qui? Pierrot, tu veux te parler? Attends, qui? Hey, viens ici! Yeah. Ils ont gardé Minus, c'est ça? C'est ça? Ouais, ils sont trois. Oh, les écœurants. Hey, on va y aller en gang, c'est sûr. Grosse gang que t'as là. C'est niaisé. Donne-moi mon argent. Si t'as fait avec Minus, là. Il est sous. Écoute, là, j'ai pas ton argent, tu peux-tu attendre une autre semaine? La merde, ah ouais, crash! Écoute, là, je peux pas en chier, moi, de l'argent! Tu comprends pas quand on te parle? Ça fait une semaine que je te le dis. Ah ouais, paye, mouche à merde! Lance-moi, mon du ciel, sale! Hey! S'il y en a un qui avance, on le perce! Laissez-nous tranquille, on va te payer quand, ta crise d'argent! T'as pris ça dans ta petite banque, Sylvie? Hey, là, tu l'as ton cash, fait que décrisse! On s'en va, ma gang! Merci. Pensez qu'il était pour me tuer. Ça. Il faut que tu changes de vie, Dan, ça n'a pas de sens! Va te la rembourser, ton argent. Va te la rembourser. Il faut que tu fasses quelque chose, Dan. Ça n'a pas de sens. Fais-toi désintoxiquer. Change de milieu. Fais quelque chose. Viens, on va aller prendre une marche. Fred, aide-moi. Ouais, viens-t'en, Dan. Ils sont partis. Ouais, mais ça casse une soirée, ça. Pierrot, il est malade. Je pensais qu'on voyait ça rien que d'un vu. Fuck, j'ai eu chèque. J'ai jamais vu un couteau d'aussi près. Ah, oh, ouais, on va. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait de Minus? C'est vrai, il est sous. Qu'est-ce que tu as fait de boire? La bière. La bière. Oh, c'est ça. Oh, puis il était malade, il a vomi partout. Arc! Oh! Oh, il est dégueu.
plus. Bon, on va le débarquer puis on va le mettre à la galerie. On va bien attendre qu'il grise un peu, hein. Mm. On va aller, moi, on va faire ça. OK. Hey, je savais pas que t'aimais bien comme ça, hein? Mais qu'est-ce qui se passe, là? Oh, rien, Minus. On a failli se faire sacrer 30 coups de couteau. Dan a failli se faire casser deux jambes. À part ça, ça a été tranquille. Qu'est-ce que tu dis, toi, là? Oh, rien, Minus. J'ai rêvé. Toi, qu'est-ce qui t'a pris de prendre un coup de même? Ah, oh, j'étais moins carré. Arrête de dire ça, t'es encore sous. J'étais carré, Fred, là. C'est tout le monde, mes cœurs, là. L'école, ma mère. Mes meilleurs amis, même. Les femmes. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Minus? Appelle-moi plus de même, là, Fred, là. Ça aussi, ça m'écœure. Hey, la bière, t'as pas faite, toi, hein? Fait depuis première année qu'on t'appelle de même. Si tu sais quoi, mon nom, là? Hein? C'est Michel, hostie. C'est pas Minus, c'est Michel. Hey, as-tu regardé l'heure? Il est 2 heures. C'est peut-être temps qu'on aille se coucher, hein? Moi, là. Si je vais me coucher, là, c'est pour de bon. Puis, tu sais, Mimi, là, elle avait raison. Il n'y a pas 50 raisons pour résoudre ses problèmes. Aïe, si je rentre pas chez nous dans 10 minutes, c'est moi qui vais avoir des problèmes, hein. Sais-tu pourquoi que mon père a sacré son cœur? Non. Parce qu'il voulait être libre. Puis après? Moi aussi, je voudrais bien être libre. Mais tu sais, là, quand tout le monde te traite de Minus, là, tu te sens pas libre. De quoi tu parles, là? À soir, là, je vais me libérer, Fred. Mais en même temps, là, je vais me libérer de toutes les autres comme ça, ben, j'en aurai plus de problème. Il est 3 heures, là, Minus. Michel, là, tu déconnes, OK? Là, tu vas être couché, puis demain matin, tu vas venir me voir, puis on va parler de ça, OK? Ok, là, tu vas te reconduire. C'est correct, je suis assez déguisé, je vais voir le chien du sac. As-tu vu Mimi un matin? J'ai téléphoné hier soir.
Elle partait pour la clinique ce matin. Comment ça l'était, Dan? Je pense qu'il va s'en sortir. Il est allé rencontrer son policier enquêteur un matin et il m'a dit qu'il allait se faire désintoxiquer. Hey les filles, avez-vous vu Minus ce matin? Il n'est même pas venu me voir hier. Avec la brosse qu'il a pris samedi, il devrait être encore sur le dos. Il était assez bizarre samedi soir. Il me faisait peur. Il est probablement en retard. C'est ça, il doit encore être en train de dormir. C'est-tu qui est chanceux? Dormir un lundi matin.